Y a-t-il un problème? T'es triste depuis ce matin. C'est rien, je suis juste fatiguée. T'es juste fatiguée. As-tu dormi tard? Non. Alors quel est le problème? C'est rien. Excuse-moi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, allô? Et c'est quoi, allô? Hein? Laisse-moi te demander, quel est ton problème? C'est quoi ton problème au juste? Hein? À cause de toi, j'ai 2 power bank. D'accord, d'accord. Tu veux que j'aille chercher le 3e à cause de toi parce que tu as déchargé, gâté ma batterie, c'est ça? N'est-ce pas trop tôt pour bouillonner? Te rends-tu compte que les gens s'apprêtent pour aller travailler? Et à ton âge, tu devrais t'apprêter toi aussi pour ton boulot. D'accord, quand tu m'appelais sans cesse à 7h de la nuit comme une représentante de service client, tu n'attendais pas à ce bavardage, hein? Toi, idiote. Hein? Cet idiote. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Écoute, je ne gaspillerai jamais ma batterie pour t'appeler. Pour une personne raisonnable, si tu vois un appel de moi, sache que c'est ta fille qui t'appelle, pas moi. Tu m'entends? Pas moi. Je ne me mettrai pas à ton niveau. Jamais. T'appeler? Jamais je ne le ferai. N'importe quoi. Ok, toi aussi. Calme-toi. Ne gâche pas ta journée. Mira! As-tu appelé ton père avec mon téléphone? Puisque j'ai pas de téléphone, j'ai décidé d'utiliser le tien. Combien de fois t'ai-je dit de ne plus l'appeler? Combien de fois? Il ne fait plus partie de nos vies. Laisse-le tranquille et arrête de me déshonorer. Te déshonorer? Maman, alors appeler mon père pour l'inviter à venir à ma journée culturelle constitue pour toi un déshonneur? Mira, je... Maman, c'est bon. Je suis en retard pour l'école. Excuse-moi.
Mira, es-tu toujours énervée? Comme tu le dis toujours, t'as toujours une raison de faire tout ce que tu fais. Et je me suis habituée maintenant. Pourquoi dis-tu cela? C'est pas vrai. Maman, arrête-toi. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'école. S'il te plaît, juste arrête-toi. Est-ce que tu vas quelque part? Je vais bien sûr à l'école. D'accord, mais pourquoi dois-je m'arrêter? Ton école, c'est dans la rue suivante. Oui, je compte marcher jusque-là. Pourquoi ferais-tu cela? Mira. Pour une fois, je voulais que mon père me dépose à l'école. Mais je suppose que ce rêve ne se réalisera jamais. Tu es celle qui me dépose toujours et mes amis me posent des questions. Et je ne cesse de leur raconter des histoires. J'en ai assez, je ne peux plus continuer comme ça. Donc tu préfères que ton père t'amène à l'école? Peut-être. Tu sais quoi? Je t'amène à l'école. Maman, pourquoi? Je ne veux pas ça. Peu importe ce que tu veux, jeune femme. Cela m'importe peu. Je t'emmène à l'école et voilà. Il s'agit toujours de toi. Tu te fiches de mes sentiments. Je souhaite que ce tonneau vide arrête de parler. Mais allez, c'est tellement bizarre. Qu'est-ce que tes parents ont pu voir en lui pour te forcer à l'épouser et en plus à ce très jeune âge que tu avais? J'espère que où qu'ils soient en ce moment, ils sont heureux de la décision qu'ils ont prise pour moi. Alors quel est ton plan? À propos de quoi? De Mira, bien sûr. J'ai peur. Je ne veux pas qu'il... la blesse ou la détruise. Mais allez, Steph, laisse-la se rapprocher de lui pour qu'elle sache quel genre de personne est son père. Le connais-tu? Non. Mais tout le temps, je le vois avec des enfants. Certains moins âgés et d'autres plus âgés. Vraiment? Oui. Je me demande ce qu'il leur enseigne. Eh bien, je vais chercher à avoir des informations sur lui. Et tu penses que c'est censé? J'aimerais juste savoir ce qu'il fait. Peut-être serons-nous ses élèves. Chérie, t'as besoin d'aide? Non, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que je te demande de l'aide, tu ne me donnes pas. Alors pourquoi me déranger maintenant? Depuis quand me parles-tu de cette manière? Maman, je suis occupée. Occupé. Tu veux parler à ton père? Tu veux l'inviter à ta journée culturelle? Voilà.
Appelle-le. Soudainement, c'est moi le diable, n'est-ce pas? Tu penses que c'est moi qui veux pas qu'il y ait une bonne relation entre ton père et toi? C'est pour cela que tu boudes contre moi depuis quelques jours maintenant. Bien, appelle-le. Pour ton propre bien, j'espère que tu assumeras. Now I don't know what to feel anymore. I don't know what to believe anymore. It's like the horn replaced the shining sun. It's so dark in here. I've got no. Maman, s'il te plaît, ne me méprends pas. Je t'aime. Et pour cela, je te serai reconnaissante pour tout ce que tu m'as fait. Mais je veux me connecter à mon papa et l'impliquer dans tout ce que je fais. Je ne vous demande pas de revenir ensemble, non. Je veux juste, je demande pardon de ne pas manquer l'amour d'aucun de vous deux. C'est tout ce que je demande. Je t'aime énormément. Mais j'ai besoin de père dans ma vie. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Tu peux l'appeler. Je préfère que tu le fasses. Si tu penses que c'est l'idéal à faire. Mira, ma chère, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma chérie? C'est Stéphanie. Steph. Attends, tu utilises la batterie de qui? Je te croyais avoir dit que tu ne m'appellerais plus jamais. Écoute, Mira aura une journée culturelle à l'école et elle aimerait que tu viennes voir sa performance. En tant que qui, hein? Est-ce que je ressemble à un enseignant ou directeur d'académie? Tu sais, cela ne me concerne pas. Je m'en fiche. Il s'agit ici de notre enfant, ta fille. Écoute, je lui souhaite tout le meilleur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout d'abord, à quoi sert la journée culturelle?
L'école cherche simplement à perdre du temps aux parents, mais moi, j'ai pas ce temps. Je ne viendrai pas. Je savais. Je savais que ça serait ta réponse. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris la peine de faire cet appel. N'est-ce pas? T'es sa mère, fais ce qu'il y a à faire. Tu vois, j'ai pas ce temps, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je me concentre. Cette histoire de jour culturel, je ne sais pas. Tous les deux, allez-y, allez. C'est pas de ta faute. J'aurais souhaité qu'elle connaisse ton vrai visage pour qu'elle cesse d'insister sur toi. Hein, c'est maintenant que tu regrettes. C'est donc moi qui ai une erreur, c'est ça? Hein? Une erreur dont tu ne peux pas se passer, n'est-ce pas? C'est ce que tu crois? Tu penses que je ne sais pas que tu m'aimes encore, hein, Steph? Tu penses que je ne sais pas que tu as mes photos partout dans ta chambre, hein? Tu penses que je l'ignore? Tu vois, c'est le problème avec des femmes comme toi. Tu joues à la victime. Pourtant, moi, des innocents comme nous, gardons le silence, hein? Tu vois, Steph, laisse-moi te dire. Tu vois cette relation? J'en ai fini. Je ne suis plus intéressé, hein. Toi et ta fille, allez vous faire chier, hein. Va faire ce qui te semble avec Mira et vos histoires de jour culturel. Mettez-moi hors de ça, compris? Pitié, s'il te plaît, merci. Aimer l'endroit. Oui, c'est bon, nous devons y venir de temps en temps. Vraiment? Oui, maman. Mira, ma chère. Mira, ma chérie. Ça me fait plaisir de te voir, mes yeux soient bénis de t'avoir vue. Comment vas-tu, ma jolie fille? Comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué. Ma chérie. Je t'ai appelé l'autre fois pour t'inviter à ma journée culturelle, mais tu ne décrochais pas. Je suis ton père, t'as pas besoin de m'inviter, t'as juste besoin de m'informer, je serai là. Mira. Donc tu viendras me voir. Donne-moi juste l'heure, le lieu, tu me verras. Je ne viendrai pas seulement passer du temps avec toi. Je t'apporterai aussi de bonnes choses, de bonnes choses pour ma fille. Je te le jure, je viendrai te voir. Merci. Alors, allons-nous s'amuser, n'est-ce pas? D'accord. Allons. Ceci est bon, n'est-ce pas? Viens par là. D'accord. Voilà. Tu sais quoi? Nous allons prendre des photos selfies. Allons-y, des photos selfies. Allez, souris. Ah, ma fille est très belle, hein. Bye-bye. Assieds-toi pour que ton papa te balance dans la brousse. Allô? Qu'y a-t-il? Qu'a-t-il posté? Attends, je te rappelle. Fille de ma vie, ma fleur d'amour, la fille de mon cœur, les comptes, es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Alors, maintenant, t'es aussi jalouse de ma fille et moi, c'est ça? Attends un instant. Déjà ce matin, c'était cette fille-là. Et soudainement, c'est devenu ta fille. Les connes restent sur place pour que le tonnerre que j'envoie te localise. Oh, je vois. Donc c'est ça ton plan?
C'est ma fille et rien ne le changera. Tu m'entends? Hé, ta fille. Le papa de l'année. Un enfant que t'as abandonné quand elle n'avait que 5 ans. Lincoln, as-tu une fois payé ses études? Je vais même trop loin. As-tu déjà envoyé un sou pour que cet enfant mange? Dis-moi, sais-tu combien coûte l'habit d'un enfant au marché? Le manger, l'école, loyer, dois-je continuer? Oh, parce que c'est toi qui as inséré le sperme, ça te fait croire soudainement que t'es le père. Hein? Père de l'année. Tantine, cette femme, écoute, j'ai placé la semence, elle a germé. Et tu ne peux me refuser mon fruit, tu m'entends? Que je t'envoie de l'argent ou non, cela n'a plus d'importance à ce stade. Hein? Elle est vivante et en forme. Hein? Et c'est tout ce qui compte. Hein? C'est pas facile d'enceinter une femme comme toi. Hein? C'est pas facile. Faut que tu le saches. Oh Dieu, si l'inutilité était une personne, ce serait Lincoln. Ma chérie. Maman. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai pris ces perles pour ta journée culturelle demain. Tu t'habilleras comme une princesse Ibo avec ces perles. Voilà, c'est ça. Quoi, tu ne les aimes pas? C'est pas que je ne les aime pas. C'est juste que, je me disais que demain, peut-être que si je m'habillais comme une fille Yoruba, ce serait bien de représenter mon peuple. Je ne comprends pas. Je ne voudrais pas m'habiller en fille Ibo demain. Et lorsque papa me verra, il sera content de me voir habillée en petite princesse. Donc il est question de ton papa. Mon peuple. Ton peuple. As-tu un peuple? Donc tout ce cinéma, c'est à cause de ton papa. Maman. Quelqu'un qui n'est même pas... Ai-je dit quelque chose de mal? Oh, dear papa. It is true, the time has changed. The memories, I just know they are no more here. I've been so crazy. When I got so far. Qui est-il? Je me suis ridiculisée. Il m'avait bien promis qu'il viendrait me voir. J'avais de l'espoir. Il a anéanti. Je suis désolée. Désolée, ma chérie. C'est pour ça que tu pleures. Je suis sûre que tu aurais pu bien passer cette journée sans lui. Je ne sais pas pourquoi tu dois autant dépendre de lui émotionnellement. Tout le monde se moque de moi. Il pense que je suis pas assez bonne. Bien sûr que tu l'es. Mira, t'es mon enfant. Tu es plus qu'assez bonne. Ne pleure plus. Mira, arrête. C'est bon. Hein? Hey. C'est pour avoir ridiculisé ma petite fille. Ah. Si tu savais que t'allais pas aller la voir, pourquoi lui avoir promis?
Tu l'as vraiment ridiculisé. Tu l'as fait te chercher partout. Au lieu de se concentrer, quelle sorte de père es-tu? Steph, je ne sais pas. Étais-tu obligé de me donner une gifle d'introduction pour me dire ceci? C'est pas bien, j'ai pas besoin de te le dire. C'est toi qui n'as pas su le dire à ta fille collante que je n'allais pas venir. Tu le savais que je n'allais jamais venir. Ma fille collante. Oui. Ma fille est collante. Écoute, reste à l'écart de nos vies. Si tu ne seras pas un père, Lincoln, évite-nous. C'est beaucoup trop demandé. Mais attends, Steph. C'est pas de ma faute. C'est cette petite fille qui manque d'intelligence, qui n'a pas compris que son père dont il parle n'aime pas des enfants. T'as perdu la tête, pourquoi me gifler? Si tu le répètes encore, je vais bien te que frapper. Feras-tu, hein? Que feras-tu? Je vais te tu frapper. Tu ne pourras pas. Hey, Steph. Maintenant tu me gifles. Toutes ces filles qui m'admirent me regarderont comme un beau garçon. Hein? Qui n'a pas... Les filles te regardent, hein? Excusez-moi. Salut. Salut. Je me nomme Steph. Zeno. Monsieur Zeno. Oui. Je viens souvent dans ce parc. Je vois comment tu es avec les enfants, les adolescents. Je vois ce que tu fais avec eux et ça me plaît. S'il te plaît, j'ai pas le temps de le dire mieux, mais j'ai besoin de ton aide. Tu veux mon aide? Oui, ma fille. J'aimerais que tu lui donnes des cours. Tu veux que je donne des cours à ta fille? D'accord, je veux mieux comprendre. Je veux que tu sois son père. Non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Tout ce que tu as à faire, c'est étudier avec elle, être présent pour elle dans ses activités scolaires, ses activités sportives, généralement disponibles pour elle. Qu'est-il arrivé à son père? Il n'existe pas. Je ne peux toujours pas. Pourquoi? Je te payerai 300 000 par mois si tu acceptes. Ce serait jouer avec ses émotions. Non. Enfin, tant qu'elle se sent heureuse, c'est tout ce qui m'importe vraiment. Je veux juste qu'elle sorte l'idée de son papa de sa tête. Et tu me demandes de remplacer son père. Techniquement. Thank you.
Madame la propriétaire, pitié, donne-moi du temps. Je paierai ton argent. Les choses m'ont été difficiles. Les choses sont dures pour moi aussi. Les périodes que tu traverses, c'est ce que je traverse aussi. Hein? Écoute, si je reviens ce week-end et je ne trouve pas mon argent, je prendrai un autre locataire et le mettrai dans la chambre. Ce week-end est seulement dans 2 jours. Ce temps est trop court pour moi. Ce qui est bien pour toi, juste prie le Dieu que tu adores. Hey, pour qu'il ne te renie pas, hein? 2 jours. Bonjour maman. Bonjour. Mira. Oui. Est-ce que ça va? Tu m'as fait peur. Désolée. Il fallait me réveiller. Oh, j'avais faim et tu dormais, donc j'ai décidé de me faire quelque chose. D'accord. Mira. Hier... est passé. Et aujourd'hui est un nouveau jour. D'ailleurs, je suis heureuse et positive parce que demain, c'est mon anniversaire. Et mon cher papa va venir se faire pardonner pour toutes ses erreurs. Oh. Mais Mira... Pas de mais. Il viendra ici, j'en suis sûre. Oui, il me présentera des excuses, je lui pardonnerai et nous nous réjouirons comme une grande famille. Oh. Désolée. Steph, elle sera déçue encore une fois de plus, mais bien, ça va. Plus elle est déçue, plus elle comprendra mieux que c'est pas toi le démon ici. Tommy, je ne peux le supporter. Elle ne pourra supporter une autre déception. Son cœur fragile ne peut le prendre. Je sais, mais ça ne va pas le résoudre. Elle n'arrivera pas à le croire cette fois-ci. J'aurais souhaité qu'il vienne cette fois-ci. Alors invite-le. L'inviter et inviter des problèmes. Alors, allons-nous le regarder la blesser encore? Nous devons y réfléchir. Sinon, tu te feras passer pour le diable à chaque fois. Invite-le. Papa, it is true the time has changed. The memories, I used to know they are no more here. Oh, I've been so crazy, yeah. When I got so far away, take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher. Mira, il faut couper ton gâteau. Je ne pense pas que ton père viendra. Non, il ne me fera pas ça aujourd'hui. Le fera-t-il? Écoute, le bonheur est ton choix. Et tu dois créer ton bonheur pour ne plus dépendre des autres. Sinon, tu seras toujours déçue. Ma chère, je souhaiterais juste qu'il ne lui fasse plus ça aujourd'hui. Mon cœur ne peut pas le supporter. Allez, Steph, tu sais très bien que ceci allait arriver. Arrête donc de te comporter comme un enfant. Seras-tu forte ou non? Papa, il est venu! Joyeux anniversaire! Joie.
Joyeux anniversaire, Mira. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la meilleure de toutes. Joyeux anniversaire, Mira. Merci. Mais... qui êtes-vous? Je m'appelle Zeno et je suis ami de ta mère. Et je t'ai apporté plein de cadeaux. Vraiment? Ils sont à toi. Merci. J'ai jamais reçu autant de cadeaux d'un seul coup. C'est bon? Tu mérites beaucoup plus. Eh bien, j'espère que je ne suis pas en retard pour la fête. Ah, non. Vous êtes venu au bon moment. On va couper le gâteau. Puis-je me joindre à vous? Ne dis pas non. Mais... bien sûr, venez. Très bien, allons-y. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dear papa, it is true that time has changed. The memories, I used to know they are no more here. Oh, I've been so crazy. Comment nous as-tu trouvé? Tu m'as donné ta carte. Je t'ai donné ma carte. Oui. Mais je ne me souviens pas t'avoir donné mon adresse. Alors comment es-tu arrivé ici? Des gens comme vous, votre vie c'est les réseaux sociaux donc. C'est pas si difficile. C'est pas une partie de sorcellerie. C'est facile. J'ai juste tapé ton nom et puis... voilà. J'ai tout appris de votre personne. Es-tu un assassin? Je suis votre génie. Appelez-moi Aladdin. Eh bien, nous avons une fête à célébrer, pouvons-nous? D'accord. T'aimes les cadeaux? Oui. Ça te plaît? Alors, où est le gâteau? Qu'allons-nous faire? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, les ravissants jeunes gens, veillez vous lever, c'est l'heure de célébrer l'anniversaire. Allez, lève-toi. Ben, nous allons tous, à mon signal, chanter joyeux anniversaire à la belle Mira, d'accord? C'est bien. 1, 2, 3, go! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mira, joyeux anniversaire. Hip 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 hip. Oui. D'accord, c'est le temps de couper le gâteau. Donc nous épilons Mira, d'accord? Allez. M-I-R-A. Bravo, bravo. Acclamez-la, acclamez, acclamez. Papa, it is true that time has changed. The memories I used to know, they are no more here. Oh, been so crazy. Steph, peux-tu me dire ou m'expliquer ce qui se passe exactement ici? Genre?
si je peux bien voir et que mes yeux ne me trompent pas, n'est-ce pas le gars qu'on a vu au parc? Oui. Ah bon? Alors pourquoi est-il ici jouant le rôle de père et d'ami? Parce que je le lui ai demandé. Ce qui veut dire? Je l'ai payé pour jouer le père et amener Mira à oublier son père. Es-tu folle? Je suis sérieuse, j'ai juste réalisé que j'aurais dû le faire depuis longtemps. Ne vois-tu pas comment ma fille est heureuse? De nos jours, en ce temps, tu comptes laisser une ado, ta propre fille, à un étranger que tu ne connais pas? Dami, tu t'en fais trop, ne t'en fais pas, on en reparlera après la fête. Mais... Je suis sérieuse, t'en fais pas, allons-y. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. Take me higher, higher through the mountains. I wanna be higher, higher than my problems. C'est pourquoi? Pour avoir rendu ma journée mémorable. Et aussi, Oncle Zino est le meilleur. Incroyable. Tu l'aimes? Oui, pourquoi ne me l'as-tu pas présenté plus tôt? Bah, j'avais peur que peut-être tu n'allais pas l'aimer. Maman, qui n'allait pas? Numéro 1. Il est venu pour la première fois à mon anniversaire et l'a rendu mémorable. Pourquoi ne vais-je pas l'aimer? D'accord, donc, à part qu'il ait rendu ta journée mémorable, j'ai aussi acheté un cadeau pour toi. Un téléphone. Maman, arrête! Je suis sérieuse. Ah, maman, merci! Merci, c'est le meilleur anniversaire de tous, honnêtement. Je t'aime. Je meurs de joie, maman, merci. Je t'en prie. Steph, je te le redemande. Es-tu sûre que l'enfant est en sécurité avec lui? C'est un gars gentil, bien sûr, mais tu sais que le mal se présente dans de beaux emballages. On ne sait jamais. Oh, allez, je sais. Lui et moi avons signé un contrat. Mon avocat est témoin de ce contrat. J'ai très bien enquêté sur lui, hein, et rien à le reprocher. Mais j'ai toujours pris mes précautions. J'ai mis des caméras de surveillance dans tous les coins de ma maison. Et c'est connecté à mon téléphone. Donc partout où je suis, je peux voir ce que fait ma fille à la maison. Avec qui elle est. Je lui ai aussi acheté un téléphone. Dans lequel se trouve un dispositif de repérage. Je peux donc la repérer dans tout endroit où elle se trouve. Vraiment? T'es allée aussi loin? Ma sœur. Je sais pas quand, hein. J'ai confiance en personne. Donc j'ai pris mes précautions. Je te crois. Entre-temps, j'ai vu les photos que t'as postées. Elles sont tellement belles. Et j'espère que les cons les voient. Et qu'il a mal. Il les a vues, non? Es-tu sérieuse? Va voir sur ma page. Va voir sa réaction. Il veut se tuer. Je suis sûre que là où il est maintenant, il meurt de rage. Bien sûr. Oh mon Dieu. C'est tellement magnifique. Oui, je t'assure. Parlons du diable. Qui est-ce? Les connes. Ne décroche pas. Je ne décroche pas. Je ne décroche pas. Peux-tu imaginer? Qu'on m'a-t-il appelé la dernière fois? Hé, hey, bon Dieu, l'être humain. Il sera tellement fou. Tu dois prendre plus de photos. Plus belles que ça. J'aurais aimé le pimenter plus, mais j'ai pas ce temps-là. Papa, es-tu sûr? Parce que je suis très fâchée contre toi. D'accord. Envoie-moi ton adresse après l'école pour que je puisse venir. D'accord, papa. Au revoir. Je t'aime.
J'arrive un instant. Un instant. Bonjour. Elle est où la princesse de cette maison? Je suis venu l'amener à l'école. Je suis prête, boss. Et voilà, viens là. Je vois que vous avez tout prévu, vous deux. Oui, tout à fait, mais j'ai pas de voiture, donc j'ai pris un taxi. Okay. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Pouvons-nous, maman, ça D'accord. va? Si ça me va. Ça va? D'accord. Amusez-vous. Vraiment? Oui. Merci. Allez, allons-y. Au revoir, maman. Alors. Hey, princesse, bonsoir. Bonsoir. Prête à rentrer à la maison? Pas encore. Pourquoi? J'ai besoin de ton aide. Mon aide, d'accord, dis-moi. Je veux voir mon père, nous avons un rendez-vous, il m'a donné son adresse. S'il te plaît, peux-tu m'amener? Ta mère est-elle informée? Non. D'accord, là, elle doit non, savoir. S'il te plaît, elle ne comprendra pas. D'ailleurs, tu y vas avec moi, tout ira bien. Mais, non. Attends. Faut que je lui donne le bénéfice du doute. Elle apprend à lui faire confiance. Je vais les localiser. Pourquoi il ne décroche pas? Je lui ai dit que je suis en route et il a dit d'accord, mais il ne décroche pas. Mira, juste calme-toi, d'accord? Je suis sûr qu'il est occupé. Peut-être son téléphone n'est pas avec lui. Mais voilà la maison numéro 2. Oui, mais chauffeur, tu peux juste garer là. Mais continue de l'appeler, je suis sûr qu'il va répondre. Il ne répond pas. Oui, essaie encore, essaie. Il est probablement occupé.
Ça va, Mira. T'as pas à te paniquer. C'est bon, calme-toi, patiente. Essaie de l'appeler encore ou envoie-lui un message. Je lui ai déjà envoyé 5 SMS. C'est bon. Il n'a répondu à aucun d'eux. C'est bon. Attendons encore un peu. Espérons un peu. Mira. Hey. Allez. Allez. Ça ne vaut pas la peine, tu sais. Le bonheur est gratuit. Quelqu'un d'autre ne devrait pas déterminer ton bonheur. Mais il me fait cela tout le temps. Et tu devrais déjà t'habituer. Arrête de t'affoler. Ne te laisse pas te blesser autant. D'accord ? Je fais quelque chose de mal. Je voudrais tout simplement me connecter à mon père pour que nous soyons ensemble. Je sais. Et t'as rien fait de mal. Et parlant de la connexion, tu sais, lorsque le réseau est mauvais, la connexion aussi est mauvaise, n'est-ce pas? Alors, nous devons résoudre le problème de réseau avant de se connecter à nouveau. Ce qui veut dire? Ça veut dire que j'ai faim et t'as sur ma faim aussi. Allons donc à la cuisine nous faire à manger. Après cela, tu auras la nourriture dans ton ventre pour lamenter. Hmm? Tu veux passer la nuit entière à pleurer? Oncle Zino, j'ai eu 6 sur 10 ici, pourtant j'espérais plus. Tu penses avoir droit à ça, mais... Ceci est correct. Non, c'est pas correct. Tu vois ce point? Ça ressemble à celui-là, mais ils ne sont pas les mêmes. Tu vois là? Ils ne sont pas proportionnels, donc... T'as fait une petite erreur et c'est pourquoi ils t'ont donné 6 sur 10. Donc la prochaine fois, prends ton temps et... Rassure-toi que les distances sont pareilles. Salut! Maman, bienvenue! Quel est cet arôme par ici? On cuisine quelque chose, bienvenue. Amène ça en haut. D'accord. J'ai tellement faim. C'est bientôt fini. Comment c'était? Bien. Où l'as-tu emmenée? Pas loin. Elle voulait aller voir son père, donc je l'ai amenée. Son père? Mais elle a fait faux bond. On a attendu un long temps, mais nous sommes revenus. Elle a quoi cette fille? Pourquoi ne pas oublier cet homme? Il ne la veut pas. Enfin, c'est tellement exagéré. Calme-toi, je te l'ai dit en privé parce que je sais que t'es sa mère. Elle va bien. Du moins, elle était avec moi, donc elle va bien. Je ne veux pas qu'il lui fasse mal. Je sais. Mais tu dois aussi aller doucement avec elle. Que cuisines-tu au juste? T'en fais pas, je vais bientôt finir. Et ce serait délicieux.
Où est ce cinglé? Hey! Où est-il? Où est ce gars cinglé? Hein? Quel est ton problème? Ce salopard! Où est-il? Hein? Écoute, je suis venu... Attends. Tu veux me remplacer dans la vie de ma fille? T'es passé à côté! Tu ne vas pas réussir! Lincoln, hein? Si tu crois vraiment à ce que tu dis, tu ne serais pas ici! Attends. Je suis même pas venu pour ça. Je suis venu te mettre en garde de dire à cet animal de s'éloigner de ma fille. Tu m'entends? Que fumes-tu exactement? Arrête de fumer des herbes périmées. Ça commence par affecter ton cerveau. Je crois que t'es plutôt la personne qui perd la tête. Je suis venu te dire de mettre en garde cet animal de rester loin de ma famille. Tu m'entends? Ta famille? Lincoln, t'as pas été dans cette maison depuis quand? 7 ans! Et parce que soudainement tu penses que ta position est menacée, tu y mets les pieds. Et tu viens de parler de père de famille. Écoute, je suis pas venu pour écouter tout ce que tu racontes. Ce que je continue par te dire, c'est de dire à cet idiot de rester à l'écart de ma fille. T'as aucun droit. Lincoln, hein? T'as aucun droit. T'es rien pour nous. Hein? Venir dans cette maison pour me dire qui ma fille peut fréquenter ou ne peut pas fréquenter. Parce que Zino, c'est mon ami. Ah. Et à part qu'il soit mon ami, c'est une personne très très gentille. Uh-huh. Il s'inquiète de la vie de ma fille comme la sienne. Il prend soin d'elle avec une attention. Je suis sûre que c'est quelque chose que tu ne comprendras pas. Parce que tu ne comprends pas ce langage. Peux-tu t'entendre? As-tu dit Zino? Zino, ce vaut rien. Coureur de jupons. Ce gars insensé. C'est de lui que tu... Écoute, je t'ai prévenu. Je t'ai mis en garde. Lincoln, si je le vois encore avec ma fille, je vais le décapiter. Qui penses-tu être? Lincoln, qu'est-ce qui te donne ce droit? Parce que, à ce que je sache, t'as troublé toute sa vie. Sa vie entière. Mais je t'ai épousé. N'est-ce pas? Penses-tu que c'est facile pour quelqu'un comme moi d'épouser des femmes de ton genre? Un sac à problème? Tu sais quoi? Si t'as rien de raisonnable à dire... Va-t'en! Tu me renvoies. En tout cas, je suis venu juste te dire, de dire à cet animal de laisser ma fille. Si je le vois avec lui, je vais le tuer. Tue-toi! Je vais finir avec lui. Finis-en avec toi-même. D'accord. Dégage! D'accord. Vaut rien. Papa de l'année. Foutaise. Ah, ma beauté, comment ça va ma puce? Comment tu vas mon bébé à moi? Je vais bien. Je suis venu mais ta mère m'a renvoyé. Mais comment vas-tu? Où étais-tu? T'es venu très tôt. Ben, je suis venu très tôt parce que j'avais voyagé. En venant, je me suis dit qu'il faut que je vienne rendre visite à ma petite fille. Pourquoi me dis-tu cette réaction froide? Pourquoi? Est-ce à cause de ce Zino? Est-ce que tu le connais même? Est-ce que je connais qui? Zino, cet idiot Zino. Ben, je le connais. Zino est un mec qui ne vaut rien. Oui, écoute, sais-tu ce qu'il fait? Zino va s'immiscer dans ta vie. Il deviendra ami avec toi. Il va... Oui, c'est ce qu'il fait. Il va attirer ton attention. Quand tu vas l'aimer, c'est en ce moment qu'il va retourner contre toi. Il te dérobe et commence à dire des faussetés sur toi. Et je ne voudrais pas qu'il contamine ma petite fille. Ça, ce n'est pas Zino. Il ne ferait jamais une telle chose. En tout cas, je savais que tu n'allais pas comprendre parce que pour l'instant, tu ne comprends pas les hommes. Oui. T'es encore naïve, petite fille. J'ai dit à ta mère de ne plus voir cet animal, mais elle dit non. Mais j'aimerais que tu prennes mon conseil d'éviter ce voyou. Je ne veux pas de lui, je ne veux pas qu'il contamine ma petite innocente. Donc, s'il te plaît. Oui, ben, je te verrai plus tard. Je vais sûrement t'appeler. Crois-moi. D'accord. Je t'aime, ma petite chérie, d'accord? D'accord. D'accord, je t'aime aussi. Ben, souris pour papa. Très gentil de ta part. Allez, viens, je vais t'accompagner. Wait me when it's all.
comment va-t-elle? Ah, elle est... Elle va mieux. Ma fille. Elle va mieux. Tout d'abord, je veux te dire merci beaucoup. Je suis venue dès que j'ai reçu ton message. J'ai quitté la conférence. C'était un long voyage. T'as pas besoin de me remercier. Et je m'excuse, je t'ai refilé tout ça. Non, ça va. Enfin, je l'ai pris à l'école. Je l'ai amené à l'hôpital, puis ici. Et elle va beaucoup mieux. T'as pas à me dire merci. Elle est comme ma propre fille. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour elle. D'accord, c'est bon, merci beaucoup. Je pense prendre le relais. Tu peux partir. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais passer la nuit à ses côtés. Question de prendre soin d'elle. Même si je rentre chez moi, j'aurai la nuit blanche pensant à elle. Juste me rassurer qu'elle va bien. Je vois que tu commences à beaucoup l'aimer, hein. Qui ne le ferait pas? Elle est une fille tellement aimable. Toi, tu voulais ma fille, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête ça! Ça veut dire quoi? Arrête! Dis à ce connard vaurien qui veut me voler ma famille. Dis-lui de partir, sinon je vais le tuer. Personne veut de toi. Personne veut voler ta famille. T'as abandonné ta famille. Tu les as toi-même délaissés. Monsieur, excuse-moi. Cela ne te regarde pas. Je te conseille de rester à l'écart de ma famille parce que... D'ailleurs, je ne vais pas échanger les mots avec toi. Mira, allons-y. Allez, non. Hein? C'est une blague? Regarde, écoute, je suis ton père. Et t'as intérêt à écouter tout ce qui sort de ma bouche. Tu ne peux pas écouter les conseils de ta mère inutile qui t'envoie vers cet animal. Non! Quoi? C'est vraiment dommage que je ne puisse pas changer le fait que tu sois mon père. Et pitié, n'appelle pas le nom de ma mère. Hein? Parce qu'elle a été là pour moi toute ma vie. Pas comme toi. Mais que veut dire tout ce que tu viens de raconter? T'es mon père, sans doute. Mm-hmm. Mais tout ce que t'as pu faire, c'est de me mettre dans les entrailles de ma mère et juste m'abandonner là. Ce que je demande de toi, c'est ton temps. Est-ce trop beaucoup pour toi à me donner? Oncle Zino ici, il n'est pas mon père. Mais il m'a donné... En une semaine, ce que tu n'as jamais pu me donner pendant des années. Mira. J'en ai marre de mendier ton attention en faisant pleurer ma mère. J'ai enfin réalisé que les relations ne se forcent pas. Peut-être si tu ressentais quelque chose pour moi en tant que ta fille, je ne te demanderais pas d'être là pour moi, t'inquiéter pour moi ou même me parler. Je suis reconnaissante pour le peu que tu as fait. Mais je suis désolée. Je reste avec Oncle Zino et ma mère. Mira. Bonne nuit. Mira. Mira. Je t'ai bien averti, n'est-ce pas? Tu devrais avoir honte de toi. Mira. Ma fille. Mira.
Donc, on s'est connus quand j'étais très jeune. On s'était rencontrés à une fête. Et une chose entraînant une autre. Je suis tombée enceinte après nos rapports. Et puis nos familles ont insisté pour qu'on se marie. Ils ne voulaient pas et moi aussi je ne voulais pas non plus, mais finalement on l'a fait. C'était horrible. Un jour, il quitta la maison et il ne revint pas. J'étais très inquiète. Des semaines, il ne revenait pas. Finalement, je découvre que il nous a quittés pour se louer son propre appartement ailleurs. Quoi ? Je l'ai confronté et il m'a dit que il en avait marre et nous tâchons sa vie. Je sais, j'étais blessée. Réellement, j'avais aussi besoin de cette liberté. Donc, j'ai quitté là, je suis venue ici, louer l'appart pour ma fille et moi. Et depuis ce temps, j'ai pas eu de ses nouvelles. Rien. Sans aucun soutien de sa part. D'ordre financier, d'ordre physique, rien du tout. Waouh. C'est un vrai lâche. C'est un lâche. En fait, comment est-il? Si j'avais su qu'il est ce genre de personne, j'allais lui donner une bonne correction. Mais comment peut-il traiter sa femme? Et même si tu ne veux pas de la femme, ta fille, ton enfant, comment? L'écho n'est pas celui dont tu dois te soucier maintenant. Ça ne sert à rien de le calculer, t'en as pas besoin. Mais ça ne se fait pas. Merde, c'est irresponsable. Je suis désolé pour toutes ces choses que tu as traversées. Vraiment désolé. Oui. Merci. C'est rien. Tu sais, après le premier paiement, j'ai pas pu être capable de donner quoi que ce soit à Zino, dû à l'insuffisance d'argent. Certes, j'ai eu à rassembler tout l'argent que je lui dois maintenant, mais je ne pense plus pouvoir continuer. Parce que si je continue à le payer, en fin de compte, je n'aurai plus rien pour prendre soin de ma fille. Je sais qu'il est attentionné, je sais qu'il est un gars bien. Mais je pense que je dois tout arrêter. Steph, je sais, et j'ai vraiment de la peine pour toi. Mais je pense que tu dois discuter de ça avec lui. Je sais, mais je suis juste inquiète. Par où commencer? Et je ne sais comment Mira va supporter le fait qu'il ne vienne plus. Pour ça, t'as vraiment raison, parce que ce serait un vrai choc pour elle. Et ça me fait de la peine déjà. Elle sera vraiment choquée. Allez, Steph, tu dois être forte pour elle. Oui, tu dois être forte. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu te ressaisisses. Tout ira très bien. Je te le promets. Donne-moi un petit sourire. Qu'est-ce que tu écris? J'ai trop de problèmes.
J'ai quelque chose à te dire. Oh. Mais j'ai aussi quelque chose à te dire, mais vas-y d'abord. Non, vas-y en premier. Toi en premier. Je préfère que tu parles d'abord. Non, toi tu vas en premier. La mienne est mauvaise. Waouh. D'accord, la mienne est une bonne nouvelle, donc allons avec la mauvaise d'abord, avant la bonne. C'est ce que je te dois. Je t'ai déjà expliqué pourquoi... La raison du retard. Je sais qu'aucune somme d'argent ne peut égaler ce que tu as fait pour ma fille. Je l'apprécie vraiment. Mais à ce stade, je pense que nous allons tout arrêter. Je sais que ça sera difficile pour elle. Et moi aussi. Je ne pourrai pas continuer, par manque d'argent. Je ne veux pas te devoir ou te trimballer, donc... Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Mais... Voici la fin. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Je sais que nous l'avons démarré comme une affaire, mais... Quand je me suis rapproché de toi, Emira, ça a changé. Tout a changé. Si je prends ton argent, j'aurais trahi mes sentiments et je ne peux juste pas le faire. Ah, je ne comprends pas. Steph, je voulais te demander si l'on peut concrétiser ça. Que veux-tu dire? Je cherche à vendre une propriété familiale. Je cherche à la vendre depuis un moment. La semaine dernière, j'ai pu la vendre. Et ma part, j'ai en tout 150 millions de naira. Je me suis acheté une maison et un bureau que j'équipe encore. Alors, tu vois, j'ai pas vraiment besoin de ton argent. Je te veux, toi, Steph. Moi? Steph, je suis totalement tombé amoureux de toi. Et si tu me le permets, je... l'amènerai à l'étape suivante. T'étais venu ici pour ma fille et... Mais non, tu me veux moi. Comment espères-tu qu'elle me voit? Allez, Steph, je... Non, arrête! Je suis désolée, je... Je peux pas décevoir ma fille de cette façon. T'as aucun sentiment pour moi? Rien? You're gone.
Maybe I'm not good enough to deserve a special kind of love. Salut. Hé, hey, maman. Que fais-tu? Tu joues un jeu? Oui. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Je t'écoute. En fait, je suis très fatiguée. J'ai pas le temps de modifier mes mots parce que je vais juste te le dire tel qu'il est. Que s'est-il passé? C'est Zino. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se peut qu'il ne fasse plus partie de nos vies. Il a d'autres choses qu'il fait, du coup, il est très occupé. Maman. D'accord, donc t'as pas le temps de modifier tes mots. Mais t'as le temps de mentir. Que veux-tu dire? Lui as-tu dit non? Qu'est-ce que t'en sais? Ouais. C'est bon maintenant? C'est beaucoup mieux que le premier. Le premier était horrible. Puis-je te demander quelque chose? Quelle sera ta réaction si je demande à ta mère de m'épouser? Tu veux épouser ma mère? C'est pas ce que j'ai dit. Mais... Non. Quoi d'autre essayes-tu de dire? Ça serait une très bonne nouvelle. T'es sûr? Oui, bien sûr. Ainsi donc, j'ai ta permission de lui demander un mariage? Oui, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je voulais d'abord ta permission. Permission accordée, joue ta carte. Oui. Fais-le. D'accord. Donc c'est entre nous deux, comme si on n'a rien dit. Oui, c'est entre nous. Et t'as dit non, c'est ça? Maman, tu mérites d'être heureuse. Il est l'homme parfait qui te convient. Je sais que tu évites tes hommes à cause de moi, mais Zino m'aime bien et il nous gardera heureux. T'es tellement belle et jeune pour demeurer célibataire. Il t'aime. Accepte-le. S'il te plaît. Ah, quelle est cette histoire de « il ne fera plus partie de nos vies » Ne t'aime même pas une chose pareille. Je n'arrive pas à croire les paroles qui sortent de ta bouche. Toi, cette petite fille. Allez, viens dans mes bras. Each day within me, I fight a battle. Oh, surviving yet another day without you. I wait every morning to realize that you're gone. How can I feel the space of emptiness in my heart? I need someone to hold my hand.
and tell me it's alright. It'll be okay. Oh, I need someone to hold my hands and tell me it's alright and tell me it's okay. Maybe I'm not good enough to deserve the special kind of love. I lost myself trying to please everyone else. How can I feel the space of emptiness in my heart? I need someone to hold my hands and tell me it's all. Il ne répond toujours pas. Non. Je ne sais même pas où il est aménagé. Then you realize it's so worth it. The time you wait for love, the love you deserve. Each day within me, I fight a battle. Oh, surviving yet another day without you. Mira, hey, qu'est-ce que t'as? Mira, qu'est-ce que tu as? Mira, est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Mira, qu'est-ce que t'as mangé? Mira, parle-moi! Mira! Oh mon Dieu! D'accord, j'arrive. On doit aller à l'hôpital. S'il te plaît. Allez, lève-toi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, allez, il faut l'amener à l'hôpital. Mira. Ouvre la porte. Désolée, maman et oncle Zino. Tu ne prenais pas les appels de maman. Elle devenait folle. Je devais faire quelque chose. Mira, j'ai failli avoir une crise à cause de toi. J'ai conduit comme un fou. Je suis désolée. Mira, tu m'as effrayée. Désolée, mais vous devez parler. Il n'y a plus le temps. Pourquoi y a-t-il pas de temps? Temps pour quoi? Pour préparer le mariage, bien sûr. Oh, pensez-vous que préparer un anniversaire est pareil à préparer un mariage? Non, ça prend du temps. De quoi est-ce que Mira parle? Tu m'as déjà dit non. Eh bien, peut-être si tu prenais les appels, tu allais découvrir la nouvelle tournure des choses. Je ne comprends pas. As-tu changé tes paroles comme le temps? Non, pas du tout. Zino, je sais que la dernière fois que tu étais venu, j'avais raconté beaucoup de conneries. Et ça semblait comme si je m'en fichais. Mais c'est pas vrai. La première fois que je t'ai vu, tu m'as plu.
mais les besoins de ma fille étaient prioritaires et il fallait que je les résoudre d'abord. Bien sûr qu'elle m'a autorisée à vivre ma vie. Mais... avec quel autre meilleur homme vive cette vie que celui qui a apporté tant de paix et de tranquillité dans ma vie? Pourtant, il pouvait faire le contraire. C'est une demande en mariage? Non. Je ne fais que répondre à ta demande. Et sincèrement parlant, je suis fatiguée de vivre seule. Je suis fatiguée d'être une mère célibataire. Je suis fatiguée de vivre pour moi. J'ai besoin d'un homme. Pas n'importe quel homme. Je te veux, toi. C'est la différence entre toi et moi, Steph. Je ne veux pas de toi. J'ai besoin de toi. Pour toi, maman. Et je suis heureuse pour toi, papa. Papa. Oui. Ou... as-tu un meilleur titre à me proposer? Non, actuellement... viens là. Ça, c'est le meilleur.